nous avons pu créer une confiance au niveau interne pour avoir des recouvrements pouvant nous permettre de prendre en charge sur fonds propres la plupart de nos activités. Les bilans de 2022 nous amènent à une réalisation sur les PIA à hauteur de 5,7 milliards sur les 12 milliards donc, qui ont été programmés. Et sur le plan budgétaire, nous étions à une exécution de plus de 2 milliards, soit à peu près 47% de programmation. Agadez est devenue une ville cosmopolite. Avant, c'était la migration externe qui peuplait la ville, mais aujourd'hui, c'est des Nigériens des autres régions qui sont en majorité attirés par les activités d'orpaillage, par l'économie locale basée sur les productions agricoles, par la stabilité aussi. Donc, qui dit 2/3 de population est flottante, donc dira des mesures de résilience. En plus donc des facteurs démographiques, nous avons les facteurs climatiques. Agadez connaît donc des impacts sur les changements climatiques qui arrivent souvent à agir sévèrement sur les systèmes de production agricole et les productions pastorales.